trop contente puisque aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo vlog. Alors il se passe rien de très spécial cette semaine, quoique samedi je rentre à Rennes pour les vacances, donc j'ai pas le temps du tout cette semaine de filmer une vidéo face cam. Et puisque vous m'aviez dit que vous étiez chaud pour des vlogs, je me suis dit allez, j'ai décidé du coup de vous filmer des petits moments par-ci par-là dans ma semaine. Cette semaine j'ai encore moins cours que d'habitude, parce que d'habitude j'ai cours le mercredi et là je n'ai pas cours demain. C'est parce qu'on a un dossier à faire et ils nous banalisent quelques semaines pour qu'on puisse continuer notre dossier chez nous. Là ma mission aujourd'hui, je vais aller faire une machine à laver et bosser mes cours. Je procrastine depuis tout à l'heure, je me dis oh waouh, j'ai ma vaisselle à faire, trop bien, comme ça je ne vais pas avoir à bosser, j'ai une bonne excuse. Moi je vais vous faire une petite tenue du jour vite fait. J'ai mis en pantalon ce petit pantalon à carreaux taille haute que j'aime mais tellement tellement. Petite boots que je mets tout le temps. Et sinon bah j'ai juste mis un petit pull bordeaux très classique. Et bah voilà une bonne chose de faite. Il y a du linge partout. J'ai la flemme de bosser. J'ai ma vaisselle à faire, est-ce que je la ferai pas à la place? Bon bah là malheureusement pour moi j'ai plus d'excuses, il faut que je bosse. Bon, clairement, là, je crois que c'est parti pour une soirée petite bouillotte dans le lit avec les Sims. Aïe, je me suis cognée. Depuis quand elle passe à travers les murs, elle? Il est où le gosse? Bon, bonjour, bonjour. Bon, aujourd'hui, je vous aurais pas montré grand-chose. En gros, vu que je suis en vacances là, vendredi, j'ai vraiment envie de kiffer mes vacances. J'allais avancer au maximum dans mes cours et dans mes dossiers. Et yeah, j'ai niqué mon threadliner alors qu'il était bien fait. Et hop, là, on efface. Donc bah j'ai passé ma journée dans mon lit à faire mon petit dossier, à avancer au maximum. Et là je vais rejoindre une copine pour aller boire un petit verre. J'aime beaucoup trop ce gilet par contre, souvent je le porte ouvert et là je me suis dit pour une fois je vais le porter fermé. Un peu mamie vibes mais mamie stylée un peu non? Bon allez let's go parce que je lui ai dit que j'étais partie. Voilà, rentrée, j'ai pris ma petite douche et au menu ce soir, je suis trop contente, j'aime trop mon menu. Même si c'est pas extraordinaire, je sais que moi personnellement quand je suis en panne d'idées, j'aime bien voir des idées chez d'autres gens. Donc pour ce soir, un petit peu de patates rissolées, des lentilles, donc vraiment rien de fou hein, et un petit haché de saumon, j'adore ça, j'en prends très rarement, en regardant un petit épisode de Gossip Girl. En ce moment je suis en train de me refaire toutes les saisons. Et coucou, aujourd'hui nous sommes jeudi et aujourd'hui va être une belle journée, je le sens, parce que déjà il fait méga beau, donc je suis d'une humeur, je suis grave de bonne humeur. Je pars samedi donc j'ai plein de choses à préparer. À la base je voulais tout faire demain après mes cours, puis je me suis rendu compte que je suis pas Wonder Woman, donc j'allais jamais réussir à tout faire en une après-midi, c'est mort. Je vais commencer là par aller à ma voiture pour d'abord aller faire le plein d'essence, aller faire la pression des pneus. Je l'ai prise l'autre jour, je me suis dit putain elle est sale quand même. Et samedi je pars avec la voiture remplie de covoites. Voilà, il y a 3 filles et un chat aussi. Du coup je me dis bah c'est pas cool, donc je vais essayer de la laver. Ensuite en rentrant je dois retourner à la laverie parce que là je veux laver tout ce qui est torchons, mes draps, et entamer ce montage. J'ai mis une petite chemise un peu panthère, enfin motif panthère, léopard, girafe, tigre, non. Que j'aime trop, que j'ai rentré dans ce petit pantalon tailleur. Je l'adore ce pantalon tailleur. Je suis trop bien dedans. Taille haute, petite veste, perfecto. Oh, simili-cuir. La chaise vient de me rentrer dans les fesses, ça m'a fait mal. Allez, let's go, on va aller faire tout ça. Je suis en train de laver ma voiture, c'est genre un truc tunnel, donc tu restes dans ta voiture et il faut laisser la voiture faire et tout faire. Je suis pas bien du tout. Oh my god, je suis pas bien. Regardez, c'est trop rigolo. On dirait qu'ils dansent les bidules. Me voilà rentrée et je viens de capter l'heure. Il est presque 16h. Et je me dis mais heureusement
que j'ai fait ça aujourd'hui. Let's go Marc, on arrête de parler, allez. Oh non, quelle erreur Margot. Allez, on se lève. Oh putain. Les gars, je suis trop contente, parce que là en gros je suis rentrée le temps que ma machine elle se fasse et je me suis dit bah, tiens je vais répondre à mes mails et tout. Oh, putain je suis tellement contente, il y a un truc qui se concrétise, va y avoir un concours sur mon Instagram. Je vais pas vous dire ce que c'est parce qu'en plus c'est dans à peu près un mois. Mais c'est un truc, j'aurais jamais pu penser vous faire gagner ça un jour. Donc ça n'a rien à voir avec la mode, la beauté, tout ça, c'est un autre truc. Mais je kiffe trop, je suis tellement contente. Donc d'ailleurs au mois de mars aussi il va y en avoir un autre trop cool aussi. Tellement heureuse, putain je suis refaite. On est d'accord que ça c'est un des pires trucs de devoir faire son lit, notamment sa housse de couette toute seule. Ma vie est palpitante quand même hein. Il faudrait qu'on m'explique comment c'est possible que des gens aiment sincèrement et vraiment le matin. Alors, je reviens. Donc ce matin, j'étais en cours. Et là, après, j'ai traîné un peu avec des copines. Voilà, on a papoté, machin. Il y en a une qui m'a coupé les pointes. J'étais pas sereine. Et finalement, j'ai beaucoup moins de fourche. Je suis très contente. En gros, je vais passer juste mon temps à faire du rangement, du ménage, ma valise. Vraiment une vie passionnante, je trouve. Et je vais aussi aller me balader avec... J'ai des boutons partout, je rêve. Bon, il est actuellement 18h30. Il va être grand temps que je me mette à faire mon grand ménage de l'appart. Je vais vous mettre, je pense, les plans en accéléré. Comme ça peut peut-être vous motiver vous aussi si vous avez du rangement à faire. Let's go! Bah, je peux vous dire que l'appart, il a tout de suite bien meilleure mine. Elles sont magnifiques, les trottoirs et l'escalier. Je vous retrouve la tête toute luisante. Là, il est genre 22h et je vais juste aller me mettre dans mon lit. Je vais finir mon épisode de Grey's Anatomy. Et je vais essayer de dormir le plus tôt possible parce que demain, du coup, je me lève vers 6h. Oh les gars, j'ai passé la pire nuit, mais une horreur. Ça va être long aujourd'hui. Petite tenue du jour. Vous allez me dire, ça fait pas tenue de voyage, mais je vais être grave à l'aise. J'ai juste mis une petite robe pull noire, donc avec une petite ceinture. Donc... Avec, j'ai mis des collants que je trouve mais canon. Regardez, c'est des petits pois. Avec des petits losanges, ultra confortable en plus d'être beau. Donc je vais pas tarder à y aller, je vais d'abord aller à ma voiture avec ma valise, descendre mon sac poubelle et tout. Et après il va falloir que je repasse là, mais je vais y aller avec ma voiture et je mette en warning. Parce qu'en fait mon père hier m'a conseillé, il a raison, de retirer ma plage arrière. Parce que mes covoites ne m'ont pas dit s'ils avaient beaucoup de bagages ou pas. Les gars, j'étais à l'avance et d'un coup je me retrouve en retard. C'est quel genre de sorcellerie ça encore? Oh non, je suis deg. Il y avait ça sur le trottoir et il y a quelqu'un cette nuit qui a dû le faire tomber. Eh bah super, j'ai... Enfin, ça va, ça s'en va. Mais tranquille, arrête de gueuler. Toi qui gueule. Toujours à gueuler celle-là. Les gars, je suis arrivée à Rennes. Là je suis en réfrigé, du coup j'ai déposé mes covates et là je vais rentrer chez moi, je vais voir mon fils. Fils, c'est ta mère qui te parle. Caca d'amour. Mon amour. Je veux mon pinceau. C'est parti. Tu peux y aller, de toute façon j'ai plein de boutons. Petite tartiflette maison du papa. Regardez-moi ça. Hey coucou, nous sommes dimanche matin. J'ai trop bien dormi cette nuit, c'est bête, mais le fait d'être chez soi, bah j'ai dormi mais comme un bébé. Et là, le programme de la journée est trop cool, puisque là, je vais aller chez mon frère. Ensuite, ce midi, je mange avec deux copains. Et ensuite, on va aller faire un escape game. Mais je pense que je vous montrerai ça cet après-midi. Ah oui, il faut que je rentre, ah, d'accord. Pouette, pouette.
pouet, pouet. Oh là là, les papouilles, les papouilles. Allez, on s'installe. Tiens, parce qu'après, moi je veux voir. Voilà. Mais t'es bavard, toi. Hein. Ouais, hein. Et toi, t'es bien, toi. Oui, t'es bien. Astuce. Bouge pas, lui. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Bah ouais, t'es trop chou. Ah oui, quoi. Tout est normal. Tout va bien. T'es bien là, Lily? Mais Lily, t'as mis de la bave sur mon objectif. Un petit coup de barre, c'est pas moi. C'est pas moi. Oh, les bisous. Oh là là, mais tu m'as touché par un mouchoir. Et bonjour, je vous retrouve quelques jours plus tard. Alors, je voulais juste vous faire vite fait un point sur l'escape game, parce que s'il y a des Rennais qui passent par là, je vous le recommande de fou. C'est un escape game un petit peu particulier parce que c'est en réalité virtuelle et c'était trop bien. En plus, on est arrivé là-bas, j'ai bugué parce que la game master, je la connaissais. Vous savez, quand je faisais du dog sitting, je promenais son chien toutes les semaines, donc trop drôle. Ça change des autres escape games, mais c'est vraiment cool. Et je voulais terminer ce vlog par un micro unboxing. Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai reçu quelques trucs pendant mon absence et je vais vous en montrer un petit peu, enfin les trucs bien en fait. Alors, on va commencer par un truc que je me suis acheté, j'en avais pas et il m'en fallait une, c'est pas possible. Je me suis acheté cette gourde que je trouve trop belle, donc c'est en 500 ml, je me la suis achetée sur beauté privée, du coup elle était pas très chère et je la trouve trop belle, regardez ça, c'est des petites pastèques et elle fait en même temps thermos, donc elle va garder le chaud et le froid pendant 12 heures, donc je la trouve vraiment cool. Elle est pas trop lourde, bon avec l'eau ça sera plus lourd forcément. Ensuite je me suis acheté cette petite bague sur Vinted, je suis tellement contente, c'est une bague de la marque LS, c'est une bague en argent hein. Et qui est réglable et tout, et je la trouve trop belle, donc c'est des petits serpents. Mais alors ça c'est incroyable, c'est une abonnée qui m'a envoyé ça. C'est une bougie artisanale, donc elle a cire de soja bio, donc ça je ne fais que lire son petit mot. Hein. Mais sur le thème d'Harry Potter, alors déjà on a la petite inscription là, vous voyez, vous reconnaissez le choix-pot. Et en gros tu l'as fait brûler et à l'intérieur il y a un médaillon et qui me dira à quelle maison d'Harry Potter j'appartiens. Je trouve ça génial comme concept. Donc merci beaucoup Ombeline, je mettrai son Insta si vous voulez parce qu'elle a une boutique. Regardez les pendentifs, ils sont tellement beaux. Et dernier colis que j'ai reçu, alors ça c'était une surprise, je savais pas du tout que j'allais recevoir ça, j'ai reçu quelques produits soins contre l'acné, donc je connais pas du tout cette marque, c'est des produits made in France. Franchement j'en ai bien besoin en ce moment parce que j'ai beaucoup d'acné, donc ça m'aidera bien. Voilà pour ce petit unboxing et surtout voilà pour ce vlog que je vais conclure ici, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas que ça vous fait plaisir. Moi ça m'a fait trop plaisir de faire ça vu que j'ai pas l'habitude, j'aime trop. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien que j'en fasse et que vous voulez que j'en fasse de temps en temps. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao.